Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, une revue que j'avais hâte de vous faire. Excusez-moi. Human Alliance, Dark of the Moon, Leadfoot. Et c'est, je le dis avec une certaine fierté, c'est l'exclusif au magasin Target. C'est pas l'édition internationale, c'est l'édition Target. L'édition internationale n'aura pas le logo Target sur le capot. Il n'y aura pas non plus l'insigne Cottonelle, juste ici. Donc, on peut dire que je suis très content, très fier. Et assez surpris quand même parce que, étant un exclusif, je pensais que il serait sold out assez rapidement. Et non, il paraît que c'est encore disponible sur Big Bad Toy Store. Leadfoot vient avec Steeljaw, qui se trouve à être un bulldog ou en tout cas un chien, peu importe la race de chien. Bizarre quand même, assez cartoonesque, même d'après les standards Movieverse. Il vient avec le sergent Detour, qui se trouve seulement à être le repeint de Sergeant. Recon, tout simplement. Vous avez vu des comparaisons durant la vidéo d'ouverture avec le Human Alliance Roadbuster. Une petite photo humoristique avec Detour et Recon. Donc, rien de bien sérieux. Ça, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, c'est un morceau du robot que j'ai cassé. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est pas à cause de d'une mauvaise qualité de plastique, au contraire, c'est de ma faute, je l'ai brisé en forçant la pièce à cause d'une erreur de transformation, tout simplement. C'est pas quelque chose qui enlève énormément au personnage, c'est juste que, bon, c'est une arme et bon, il est cassé. Je vais commencer tout de suite avec Steeljaw. On va se débarrasser du pitou. Steeljaw est articulé. Ses pattes sont sur ball joint. Donc, bonne articulation. On a une autre articulation ball joint aux pattes à l'avant ici et une charnière en dessous. Et ici, on a deux charnières, point à la ligne. La tête est articulée sur un ball joint. Même la gueule, on peut l'ouvrir ou la fermer, et la langue, même la langue, elle bouge. Donc, un petit chien vraiment comique à voir, et à avoir tout simplement. Se transforme en arme. Pour transformer en arme, on prend la tête, comme ça, on la tourne, comme ça. Ensuite, on prend les pattes à l'avant, comme ça. On les plie vers l'arrière, comme ça, en laissant les pattes dans un angle comme ça. Et les pattes ici, on en fait juste les replier en dessous, comme ça. Et voilà, on a l'arme Mech-Tech, on va dire, de Leadfoot. Et le missile, tout simplement, comme ça. Et pour tirer le missile, on appuie sur les pots d'échappement, tout simplement. Et ça peut s'attacher sur l'avant-bras de Leadfoot. On va mettre ça de côté. Recon, même articulation que. Plutôt Detour, même articulation que Recon, la tête gauche à droite. Les mains qui tournent. Pas d'articulation à la taille. Donc, avec le logo Target, ce qui est assez étrange, c'est que le personnage de Detour a le logo Target autant dans la version exclusive que la version internationale. Allez savoir pourquoi. Bon, la pièce de résistance. Voiture NASCAR, mode normal. Et ce qu'on comprend, d'après ce que j'ai pu trouver comme information sur Internet, notamment sur la vidéo de PR sur YouTube, les versions de luxe, on va avoir
Top Spin et Leadfoot en mode Wrecker Attack et Roadbuster en mode normal. Et en version Human Alliance, on va avoir Leadfoot en mode normal, on a Roadbuster en mode attaque et probablement qu'on va avoir Top Spin en mode attaque aussi. Oui, inquiétez-vous pas là. Predaking avec ses ailes, une petite parenthèse, là. Predaking avec ses ailes, je vais faire une vidéo comme ça. Inquiétez-vous pas. Bon, c'est un standard de la ligne Dark of the Moon, hein. Les jantes sont pas peintes, mais c'est un NASCAR, donc pas besoin de faire de quoi de fancy avec ça. On a le logo Impala, le logo Chevrolet, on a la marque Lysol, Tom's qui est des antiacides, un logo Tobo ici, même chose de l'autre côté, 42. Et on a un logo qui dit Sprint juste ici, mais le reste du logo est pas vraiment lisible. Donc, ni plus ni moins. Une belle voiture, beau roulement, vraiment bien fait. J'aime bien la voiture, très bien faite. On voit en dessous les parties de robot. Les parties de robot vraiment les plus flagrantes qu'on voit, c'est les mains. Pour le reste, le tout est quand même très bien dissimulé. Ce qui dérange beaucoup de monde, c'est l'espèce de creux qu'il y a ici. On n'a pas, c'est pas une place pour ranger Steel Jaw, c'est pas une place non plus pour ranger le missile. C'est vraiment un creux, tout simplement. Et probablement qu'on va avoir la même complainte à propos de Top Spin, vu que c'est le même véhicule. Mais ça reste à voir, étant donné que la transformation ne sera pas nécessairement pareille. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec Top Spin. À l'arrière, on a des pare Mectech. Oups, excusez. Et c'est monté sur des ressorts. Donc, on peut mettre une arme Mectech. Mais semblerait que le pec de Steel Jaw serait trop gros pour aller là. Donc, passablement inutile, je dirais. Étant donné que on n'a pas vraiment d'armes Mectech. Peut fitter là-dessus. Donc, on va passer à la transformation. Je vous le dis tout de suite, la transformation officielle est chiée. Vraiment nulle à chier. Moi, j'ai plutôt tendance à faire à ma tête dure et essayer d'arranger ça pour que ça ait l'air plus d'un robot que d'un gros n'importe quoi. Premièrement, comme sur la plupart des Human Alliance, on va commencer par ouvrir les portes. Les grillages, on les abaisse. Ensuite, le toit, on va détacher le toit, comme ça. On va relever cette partie ici, comme ça. On va séparer le toit. Et le toit fait penser un peu au toit de Skids Human Alliance à cause de la charnière. On va faire pivoter comme ça et comme ça. En passant, il y a une charnière ici. On ne sait pas encore pourquoi ça a été fait, mais c'est fait comme ça. Une autre affaire qui a été débat critique, tout simplement. On va détacher les jambes et on va les déplier. Attendez tout petit peu. On a le talon qui est ici. Et vous avez peut-être entendu un petit clic. C'est important de replier les talons jusqu'à ce que on entend le clic. Sinon, il peut être un petit peu baquéri, tombé sur le dos. Ensuite, on va baisser les orteils. Encore une fois. Et ensuite, on va prendre cette partie ici, faire le tour. Et on va le clipper à sa place. Vous voyez qu'il y a une espèce de creux. Et on a un peg qui va aller s'insérer là-dedans pour stabiliser le tout. Ensuite, les portes, on va les abaisser vers le bas comme ça.
On va prendre les bras, on va les abaisser comme ça. Et ensuite, on va les déployer comme ça, pour tout de suite. La transformation n'est pas compliquée dans le fond, c'est qu'elle est embêtante parce que souvent on se ramasse avec des pièces qui sont dans le chemin d'un autre. Donc, ça peut porter des fois frustration. Là, je vais faire la transformation officielle pour vous le montrer. Et après, je vais faire ça à ma manière. C'est pas compliqué, il n'y a pas de grosse différence, mais ça donne une grosse différence pareil. On va dire ça comme ça. On va lever les parties comme ça. On va abaisser le devant. Et faites attention parce que cette partie-ci là, est très très raide. Donc, à faire attention. On va relever les panneaux. Ici comme ça. En dessous, on a une espèce de peg qu'il suffit d'aller chercher par en dessous pour le faire sortir. On a une glissière. On va ramener ça vers le bas comme ça. Ensuite, on va ramener comme ça. On va faire pivoter les jambes à 180 degrés. Et ici, c'est là que ça devient intéressant. Les bras, on va les écarter comme ça. Comme ça. On va prendre cette pièce-ci, la faire basculer comme ça. Vous avez entendu un petit clic. On va abaisser le dos comme ça et on va aller chercher la tête. Attendez un tout petit peu, ouais. Et voilà. On a fait sortir la tête. Bon, maintenant, on va essayer de placer le tout pour que ça ait l'air d'un robot. Selon les standards de Hasbro. On va prendre ça. Ça, c'est supposé aller devant les bras. Et oui, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Les roues. Ça fait partie de la transformation officielle. Là, à date, je vous donne la transformation officielle. OK. Les roues vont comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. La transformation officielle, je l'ai fait juste une fois. Et j'ai tellement pas aimé ça que j'ai pas répété l'expérience. Donc, je vous demande juste un petit peu de patience de votre part pour essayer de placer ça. Que ça a l'air de la transformation officielle. En tout cas, grosso modo, c'est ce que ça donne. De face comme ça, ça donne pas grand chose, mais quand on regarde ça de côté, avec le bras levé comme ça, ça a de la fou. On a un gros vide ici. Comme ça, ça fait vraiment laid. C'est vraiment laid. Moi, ce que je fais, comme ça, première des choses, je prends cette partie ici, je sors les fusils, ou le fusil maintenant, j'appuie, non, pas vrai, attendez tout petit peu, même les fusils, je les sors même plus, parce que ça n'a pas vraiment une grosse valeur, les fusils dans le fond. Comme ça, je prends les roues, je les replie comme ça. Donc, ça remplit l'espèce de vide qu'il y avait. Comme ça.
Et... Ah, j'ai pas bien clippé quelque chose là. On a un peg ici là, qui est vraiment problématique. Ça, c'est un des points négatifs. C'est que le gros peg que je vous ai montré tout à l'heure doit être positionné vraiment dans le bon angle au millimètre près. Sinon, le clip, ça fait pas bien. Mais bon. Ça, c'est ma transformation à moi. Pour vraiment remplir les espèces de vide que ça faisait. Ça donne un robot obèse. Ok, faut vraiment pas avoir de préjugés là. Ça donne un robot vraiment obèse. Ah, et voilà. Comme ça, j'ai remonté la jupette là. Et voilà. Vous avez Leadfoot Human Alliance en mode robot. Bon, on a des pommes tech sur le dessus des mains pour Steel Jaw. On met comme ça. Il rentre serré, vraiment serré. C'est comme si les ports Mectech sont vraiment trop petits pour Steel Jaw. C'est Steel Jaw qui est trop gros. Et l'arme n'a pas une apparence d'arbalète. Voyez. Et vous avez vu où allait le fusil que j'ai brisé. C'était juste ici. Il suffit de sortir le fusil. Comme ça. Et là, on a Recon qui vient ici. Il tient les fusils comme ça. C'était ça la mode de Human Alliance. Mais je m'en sers pas. Le mode robot, officiellement, la transformation officielle est pas vargeuse. C'est pas fort. Mais juste en suivant les étapes que j'ai fait, ça donne quelque chose de pas mal plus potable avec moins de vide, moins de creux. Et même les morceaux sur les épaules, on peut les placer à sa guise. Pour faire quelque chose un peu plus décent. Niveau articulation, la tête gauche à droite, hein, pas plus qu'il faut. Les articulations des bras, à cause des portes, même si on veut les portes là, on pourrait les ramener vers l'arrière comme ça. Et vous voyez, ça dégage du même coup les bras et ça donne encore une meilleure apparence. Donc c'est ça. Ici, on a un pivot à 360 degrés au niveau des épaules. On a une articulation ici et un autre ici pour le coude. On a un pivot ici, un autre là. Donc, on a vraiment deux pivots. On a la main qui est articulée. Ça, c'est les doigts, mais on a aussi la paume de la main et le pouce qui est indépendant. Évidemment. L'articulation au niveau des hanches, limitée par exemple à cause de la jupette à l'avant. Les jambes vers l'extérieur, derrière, en avant. Une articulation au niveau ici. Et là, j'ai oublié de faire pivoter cette partie-là. Comme ça pour dégager. On a un genou qui plie. On a une articulation ici aussi. Et c'est tout. Pour les détails du visage, parce que tous les Human Alliance ont quelque chose avec le visage, ça c'est le visage normal. Vous voyez, un visage normal, avec une barbe, avec une espèce de nid de cochon, si je peux le dire. Et, avec le levier à l'arrière, parce qu'on a un petit levier, il suffit de baisser le levier, de lever le levier et on a la visière qui apparaît.
Je sais pas pour vous, mais moi je préfère ça comme ça. Donc, on a le deuxième wrecker en mode Human Alliance. Focus, focus. Voilà. Une autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'à l'intérieur de chacun des avant-bras, on a un rangement pour la chaîne de Steeljaw. Et à l'intérieur de la main, des mains de Leadfoot, on a un peg. On va mettre Steeljaw en mode wouf wouf. Ça sera pas long, je le fais un petit peu hors caméra, là, veuillez m'excuser. Et sur le dessus de sa tête, vous voyez qu'on a un trou juste ici, là. On va insérer ça là. Et on peut clipper la chaîne du chien dans la main de la faute. Et voilà, on a un robot, un autobot qui promène un chien en laisse avec une petite chaîne, tout simplement. Donc voilà, ça c'était Human Alliance Leadfoot. Mes impressions sur la figurine. Si vous êtes capable de vous le permettre, allez-y. Si vous aimez les wreckers, allez-y. C'est sûr que la transformation officielle en suivant la notice, c'est meh. Mais en suivant les quelques conseils que je vous donne, en replaçant certaines parties du robot qui donnait à n'importe quoi, ben là on a un robot qui a vraiment l'air d'un robot obèse, mais qui a l'air d'un robot quand même. Donc belle figurine, j'ai bien hâte à la sortie de Top Spin pour voir qu'est-ce qu'on va avoir comme robot. J'ai vraiment vraiment hâte, très enthousiaste, et je vous dis vraiment chapeau, prenez-le, que ce soit l'exclusive Target ou la version internationale, allez-y. Achetez-le, ça vaut la peine. Sur ce, bonne soirée, bonne journée.